n'avais pas école. Et comme je me suis couchée tard la veille, du coup, j'ai eu du mal à me réveiller pour la prière de Sober. J'étais tellement fatiguée que quand le réveil a sonné, je me suis dit « Encore quelques minutes et c'est bon ». Mais Shaitan a été plus fort que moi et je me suis rendormie profondément. Oh Allah, pardonne-moi. Je te promets de faire de mon mieux pour répondre à l'appel de la prière. J'étais en plein sommeil jusqu'au lever du soleil. Je me suis couchée tard la veille. Promis d'être fidèle, fidèle à son appel, car la prière est si belle. Je suis née, papa et maman veillent sur moi. Ils se fatiguent, ils se sacrifient, ils se privent pour que je sois heureuse. Malgré tout ça, il m'arrive parfois de mal leur parler et de leur manquer de respect. Oh Allah, je reconnais mes fautes. Aide-moi à bien me comporter avec eux. J'aimerais pouvoir en faire autant pour eux quand je serai grande. Papa me tend ses bras et maman sourit de joie. Qu'il me voit. Comment les satisfaire, cesser de leur déplaire, car mes parents me sont si chers. J'ai menti à ma meilleure amie Ilona. On continua à jouer ensemble, mais au fond de moi, je n'étais pas à l'aise. Je devais lui en parler, car j'avais mal agi. Je suis donc allée la voir. Elle était très étonnée de mon courage. Et alhamdoulilah, elle m'a pardonnée. J'étais très contente. Oh Allah, aide-moi. Aide-moi à ne plus recommencer et à ne plus tromper mes amis. Seule, je m'ennuie. Entre amis, je me réjouis. On saute, on crie. Ne manque pas dans ta vie, Allah te l'interdit. Restons tous des amis. Pardonne-moi, mon Dieu, forgive-moi.